madame. La propre me mette là. Ah, si non, on va mettre là, ma cancel résidence. Le dossier me commence, tout démarche papier me commence à faire, ma cancel. C'est ce que j'accepte avec la propre. Non, 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 non. Ah, madame, ou pas, comme, n'a pas un garçon que nous mettons là. N'a pas un garçon que nous mettons là. Yo, ou accepte la vraie, mais. Sous mon droit. Hein? Il fréquente sous mon droit. Ah, moi, m'a retiré, n'est-ce pas, monsieur? Non, non, ou pas retiré, non, je vais te mettre là. Quand qu'ils disent ça? Il a pour 2 semaines. Ni là pour 2 semaines. C'est ça, me cancel résidence lié. Premier ministre de facto, Ariel Henry, sorti dans le silence. Il parle sous question, groupe mercenaires risqué le Wagner, cap entré dans le pays d'Haïti pour aider au combat gang avec insécurité. PM Ariel Henry fait tout le monde saisi. Même président Vladimir Poutine, route pour dirigeant pays d'Haïti. L'autre bon, dans une vidéo qui virale sur les réseaux, moi qui a dit jeunesse masculine en victime. Yon femme USA kap humilié yon jeune garçon pi mal que yon chien pour être yon question résidence. Entre temps, fois qu'on est, yon gros scandale qui pété dans pays Inde avec yon guide spirituel. Qui se bagala yé, n'ap mando pour prochain ou chita, nous voyons plus de avec précision tout ça ou se tende là. Mais, n'ap mando pour abonner avec Chanel Production 69 là. Pour l'en avoir une vidéo pour parler. Paul l'a dit, moun ki gen mentalité reste avec, pas ka wè pi loin que prendre yo. Nan dossier qui t'a fait parler en pile sur réseau a, côté journal yo te fait nous connaître gen un groupe mercenaires qui rele Wagner qui envisage entrer dans pays d'Haïti pour ka combattre gang avec insécurité a, nous connaît ba ça c'est li ka fini avec population peuple haïtien. N'a pas le groupe qui est le Wagner. C'est yo, nous avons dit groupe ça, c'est lui-même qui a goumé pour la Russie. Et puis tout, lui veut combattre intérêt américain dans plusieurs pays qui sont dans le monde. Wagner, c'est plusieurs anciens prisonniers qui font sous amio, qui ont goumé, qui arrivent à faire un quoi, nous avons dit son unité spécialisée pour qu'à Goumé contre intérêt américain, groupe ça, li dans le pays la Russie. Le dossier ça, prend la rue, département d'État américain paniqué, que yon sauté, nek sa yon pas bien dit tout, le entende Wagner a défend la Russie, yon là pour combattre intérêt américain gagné dans n'importe pays à travers le monde. Et ceci, Wagner est en fait. 6 pays pour yo. Ça son rappel que me fait là. Département d'État paniqué, les autres de dossier ça, yo courir le PM Ariel Henry. Yo mandel qui ça va ça y est. Qui ça yo tande là? Yo tande la Russie pour venir aider Haïti combattre gang à insécurité qui gagne dans pays d'Haïti. PM Ariel Henry coubel bien bas pour dire met li yo, li pa jam gen yon discussion avec groupe ça qui est le Wagner qui c'est un groupe mercenaire russe. Li dit li pa parler avec aucun responsable la Russie pour mander yo vin aider Haïti combattre gang à insécurité qui est là. Li pa mande si pour la Russie vin aider à travers insécurité qui est dans le pays. C'est retirer li tande yo a venir dans pays d'Haïti. C'est un temps de causer ça tout, même gens, tout le monde apprend sur les réseaux sociaux. Ariel Henry dit, il va demander si pour Wagner te venir aider la police nationale là, combattre gang dans le pays d'Haïti. Nouvelle là sur les réseaux, il tendait, même j'avais tout le monde. À travers déclaration ça, PM Ariel Henry fait là. Et puis Miami Herald parlait de ce ça, il écrit dans le journal, il publie. Tout le monde a fait à clé. Que insécurité qui est là dans le pays d'Haïti, pas priorité l'État haïtien, surtout pour PM Ariel Henry. Faut que me dis nous, PM Ariel Henry, pas de cas pour une décision ça pour lui. PM Ariel Henry, n'a pas gardé là, mais c'est son robot qui est lié. C'est Américain avec ONU qui a dirigé PM Ariel Henry. Il va se contenter. Ariel, pas de mandat. Nous tous connaissons ça. Et puis tout, Ariel pa yon autorité qui est élu.
li pa jam ka pran yon décision comme ça pour accepter un groupe mercenaire risqué le Wagner entrer dans pays d'Haïti pour ka vinn craser gang américain yo que madame Lalime te fondé qui c'est Genève en famille et allié qui gen nan tête li Jimmy Cherizier alias barbecue Pierre Ariel Henry dit américain yo li pat kon an rien nan dossier ça c'est tandel li tandel même j'avais tout le monde kap tandel sou réseau a vizi la li pat gen yon discussion li pat mande aucune autorité nan pays la ici pour te voye si pour Bali insécurité a ça veut dire là insécurité a pas priorité Pierre Ariel Henry question la ici a apporté nan pays d'Haïti a pas gen bagay comme ça et puis tout nous connaît la Russie pas rentrer dans le pays d'Haïti sans autorisation autorité. Ça veut dire là, faut que Pierre Ariel Henry ka bay autorisation pour groupe mercenaire russe entrer dans le pays d'Haïti. Sinon, nek sa yo a commettre une infraction, nek sa yo a la loi a pile nek sa yo, yo ka arrêter yo et tout, yo ka déclarer la guerre. Mes amis, nous wè bagay la. Nous wè américain gen intérêt tout bon vrai. La question gang qui dans pays d'Haïti les américains tendé bailler ça Wagner groupe mercenaires qui cap combat intérêt américain département d'état tellement frustré département d'état tremblé tant coup mais gars tant coup on tremble en dété yo mandé tout citoyen américain yo qui vivent dans pays la Russie pour quitter territoire ça immédiatement pour retourner dans pays yo parce que pour ça yo ouais pour payer la Russie pour route la prend là, il pas bon pour lui dit tout. C'est ça pour laquelle nous demandons pour tous citoyens yo rentrer, quitter pays ça parce que pays ça gè trop danger, gè trop menace qui tombe sous tête lui. Bref, mes amis, des bagay m'a gardé capable dans pays là, franchement, nous pas gè bouche pour parler et bagay ça yo indigné. Gè un jeune garçon qui rivé sibi, nèg a dit yon humiliation nan mes femme. Franchement, garçon ça fait honte. Garçon ça, nega dit monsieur c'est quand mettre l'émission garçon. Monsieur pas garçon. Un garçon pas gain complètement ça. Gain une vidéo qui virale sur réseau à côté une femme prend ménage li. Lui ferme dans une cage qui fait pour chier. Et puis tout, lui fait nek ça fait plusieurs jours sans manger et puis lui filme là sur réseau. Bagala grave, bagala empiré. On a regardé, après ça, m'a tourné pour nous avoir plus de temps avec précision pour nous dire qui se bagarre là. En dessous, m'a tourné d'aller. La propre me mette là. Ah, si non, on va pas quitter. Là, m'a cancel résidence. Tout dossier m'a commencé, tout démarche papier m'a commencé à faire, m'a cancel. C'est ça, accepté avec la non, 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 non. Ah, man, ou pas comme si n'a pas un garçon pour nous dire là. Ou n'a pas un garçon pour nous dire là. Yo, ou accepté la vraie, mais. Hein? Ah, moi m'a retiré les blancs. Non, non, on va retirer là, on va mettre là. Quand qu'ils disent ça? Ni là pour deux semaines. Ni là pour deux semaines. C'est ça, me cancel résidence là, on va l'accepter là pour deux semaines. On accepte ça, on accepte ça, mine. Fait deux choix, oui. Ça l'accepter me cancel. Non, moi m'a retiré monsieur. Non, on va retirer là. M'a retiré, bah je m'a sorti, sorti mine. Sorti mine. Il fréquent les sous monde trop. Sorti non mine. On va régler papier résidence pour sortir là pour pourquoi si l'ordre t'a trompé? La deuxième ici. Amen. Vidéo ça, je regarde là. Côté nek ça. Dans yon cage, yon fermé. Avec yon bidon de l'eau. Nous kawel dans la vidéo. Yon fait un missier pour deux semaines. C'est selon ça, madame missier fait qu'on est. Raison qui fait, madame li fermé dans la cage ça. Au cage qui fait poucher. C'est parce que madame missier entre missier. USA et puis tout. Ton rapport comme même qui ont bon un an dans le pays États-Unis, qu'on y a là, il s'est choisi à tromper madame. C'est que les gens qui sont égarés, monsieur. Il y en a qui ont même un an. Madame, imaginez, vous êtes à Haïti ou bien en République Dominicaine, madame, vous faites tout ça, vous connaissez, lié entre vous, allez, États-Unis. Qu'on y a là, vous voyez même qui est papier, vous ne pouvez pas savoir le faire. C'est trompé ou elle trompé madame. Tandis que madame monsieur tape gérer papier pour lui en question de résidence pour monsieur. Kounya là, madame li tape gérer résidence pour monsieur pour qu'elle ait papier pour tout le cas légal dans le pays.
Quand il y a la mission qui va éclairer, qui va habiter une belle femme américaine, là elle trompe madame ni. Madame c'est Kebel. Monsieur arrivé, non après là, il trompe madame ni. Madame ni découvre ça, quand il y a là, dame là dit monsieur, pour te sale faire. L'a sanctionné monsieur. Si monsieur t'a manqué faire gros négavel, l'a cancel résidence monsieur. Si monsieur pas d'accord sanction ça, tant coup dans cas ça qu'elle où elle mettait là. Li fait mille, li cadenasil, li mette misa avec un petit bidon d'eau sans manger. Misa fait deux semaines en de kaisa, si seulement il a fait tout, il a manqué fait camp pendant le kaisa, madame li dit, la kensel résidence monsieur, monsieur pas de papier, il a déporté, voye le tourner dans le pays d'Haïti. Kounya la, monsieur qui oué baye la manqué ça, monsieur obligé accepter fermer dans kaisa, pour deux semaines. Parce que quelqu'un connaît papier dans le pays États-Unis pas facile. Et puis tout, dans le pays États-Unis, affaire nèg a fait gros nèg sous femme. Pas une sa pièce non. Dans le pays États-Unis, debout ba on fait mon calotte. Pour tes calotte ça seulement. Ou ka payer gros amende, ou ka déporter pour calotte ça ba femme là. Les femmes debout nous avec une femme dans le pays États-Unis, deux femmes dit m'a fait naïron pour ou met tout ménager nous demander pardon. Parce que vous quittez la police pour vous. Vous avez arrêté, sanctionné, fait plus de temps en prison ou bien payer gros amende. Ou bien tu déportes. Parce que dans les États-Unis, les femmes ont une priorité. C'est les femmes qui coupent rachet. Les femmes ont dit que c'est les reines qui sont dans le pays. Quand vous avez un nègre qui a mis dans le pays, il trouve ça indignant, il trouve ça humiliant les garçons. Quand il y a l'objet de femme, il n'y a pas de policier. Les gars, les garçons, ils ne peuvent pas fermer le cage, t'as coûté chien. Ou on va se poser ça. Quand la dame dit non, il ferme le cage là, parce que monsieur a trompé. Il n'y a pas de supposé trompé. Si monsieur n'a pas voulu le cage là, la cancel résidence monsieur, monsieur n'a pas de papier, monsieur n'a pas de cas légal dans le pays États-Unis. Quand il y a là, ou même si vous regardez la vidéo ça, en tant que yon garçon, Jim, est-ce que tu es d'accord pour madame à 1 million comme ça, filmer vidéo et tout, publier sur les réseaux? Quand il y a tout, est-ce que ou même en tant que garçon, ou tu es d'accord pour une grosse humiliation comme ça, pour peut-être une question de résidence dans le pays États-Unis? Imagine ou même capitaine de là, qui se regarde la vidéo ça, si tu es famille avec ça, et puis, ou tombe sur la vidéo ça, sur Chanel, production 79 là, ou la vidéo ça, monsieur, c'est famille ou, par exemple, quittez un commentaire pour moi, dis-moi qui Jean ou t'as réagi dans le commentaire ça. Et ceci, fais commenter ça en tant que yon famille ou, comme si bi, même bagay ça, c'est la famille ou qui dans la vidéo ça. Pour moi, qui Jean ou t'as réagi. Parce que, un garçon, pas qu'à prendre humiliation ça pour question résidence. Pour question résidence, de vous quitter ces femmes qui entourent, USA, tout ça, c'est oui et amen, oui. C'est marcher sous tes habits les 14, oui. C'est l'offre d'une résidence où tu as fait tout gros nez, oui. Où tu as fait tout fréquentité. Entre temps, la fois qu'on est, il y a un gros scandale qui pète dans le pays Inde. Quand c'est après la rue, tout gros journal a parlé de lui. Parce que, bagay ça, il n'y a pas de supposé fait. Il y a un guide spirituel dans le pays Inde. Monsieur le Dalai Lama, il a 87 années sous tête li. Monsieur présenté excuse li hier qui se passe à quitter lundi après une vidéo qui montrait le côté tap mandé un garçon, un petit garçon pour qu'il souce langue ni. Ça veut dire là grand monde qui 87 années, il t'a mandé un petit garçon pour qu'il prenne langue avec elle, pour qu'il fasse l'amour avec elle. Nous écoutez M. Philippe Langli, la plongée dans l'investigation pour qu'elle souffre. Femmes ou bien, action ça a passé, non, je dis, dans la scène qui filmé, il a filmé, et le jour qui était 28 février qui se passé là. Ça veut dire là, dans le mois février. Pendant que tu as un événement qui était organisé dans MC Léon, Jane, je dis, yo ndega di yo Daniel ou konn monsieur c'est une autorité qu'elle est
parce que c'est son guide spirituel. Yo c'est son émissaire. Non, non, pays aide, non, monsieur, pas qu'à fonctionner encore. Ça veut dire là, monsieur tombe en bas, grosse action. C'est son scandale qui est lié là. Yo c'est son émissaire, monsieur relé, Dalai Lama qui gagne 87 l'année. Mes amis, cette information de gagne pour aujourd'hui là, c'est like, nous abonner et puis peser sur la notification. Vous voulez la grande vidéo par atel. Pas oublier, me dit nous c'est Production 69. Nous même c'est Chanel qui baille ça pour sa vérité. Tout ça nous dit, yo vérifiable ou qu'à checker yo. Sur Twitter, ou qu'à checker yo sur Google, ou qu'à checker yo sur Facebook, et ceci, ou à jouer tout ça nous dire là. N'allez, rendez-vous dans la prochaine émission. Pas oublier, partager la vidéo ça, la gueule dans le groupe Facebook, le groupe WhatsApp, pour qu'à aider l'autre monde, découvrir Chanel qui baille 100% vérité qui c'est Production 69. Le bon dispo qui s'allie, les amis auditeurs, parce que c'est important pour nous prendre plume, non, pour nous prendre carré, non, et pour nous prendre plume, nous allons noter ensemble avec moi. Formation est là, il faut aller chercher et travailler nous comme journaliste. L'affaire d'armes ou bien l'affaire de cargaison Zamat munitions qui impliquait l'EH, on a parlé de l'église épiscopale d'Haïti. Nous connaissons un troisième rapport qui était sorti semaine dernière en bas coup de plume enquêteur des CPJ, notamment du bureau des affaires criminelles, pas criminelles mon Dieu, des affaires financières, BAF. Même les rapports n'est pas disponible pour le grand public, mais nous-mêmes comme journalistes, nous allons chercher qu'on est dans le fourni, j'ai gardé, pour nous voir qui ça qui écrit là-dedans. Et bien, il y a des rebondissements. Dans le cadre de dossier ça, amis auditeurs, puisque nous connaissons Devine là, nous avons un détail qui sa rapport a dit, nous te permettre de gagner des avocats qui travaillent sur le dossier et ont intervenu dans l'espace là, notamment Maître Peggy Jean, et nous avons essayé de contacter de l'autre monde tout, en façon pour nous de confronter sociaux et puis pour nous bail population information nécessaire. Oui, mais CPP c'est au bureau des affaires et financières. Baf, ok. Rebondissement qui s'allie, les amis auditeurs, même parce que c'est important pour nous prendre plume, non, pour nous prendre carré, non, et puis prendre plume, non, nous allons noter ensemble avec moi. Formation là, faut aller chercher et travailler nous comme journaliste. Et je toujours prendre le soin pour me préciser, c'est pas Johnny Ferdinand et qui inventent information yo. C'est vrai, c'est nous même qui fait effort hein? Nous perdons une nuit, nous parlons à monde pour nous parler, nous déplacer dans les côtés pour nous aller pour nous joindre information, mais en réalité information c'est des informations qui sont disponibles quelque part. Gagné effectivement un juge d'instruction qui travaille sous dossier cargaison ZAM ou bien conteneur ZAM qui impliquait l'église épiscopale d'Haïti. Dans le moment où on a parlé là, selon l'information qui vient de joindre nous, il y a trois rapports que la police judiciaire déjà produit dans quatre dossiers. Mais, juge instructeur qui travaille sur le dossier, il y a deux rapports dans main li. Jusqu'à matin, avant de venir là, troisième rapport que nous avons parlé de l'IA, c'est dans la radio. Juge qui travaille sur le dossier, lui-même, il apprend un rapport comme ça qui existait. Principe là, voulait que la police travaille pour la justice. Donc à chaque fois la police judiciaire fin produit des rapports, les gars pour devoir pour la cheminer ben la justice. Comme moi même pas technicien en droit, même quand des monde qui parler soit là jeune commissaire gouvernement ba loyen doit choisir juge là comme ça va fait. Pour dossier affaire Chimel. Maintenant, la grande question que nous avons posé tête, nous, pour qui ça, troisième rapport ça, pourquoi joindre juge qui travaille sur le dossier? Moi-même, moi pour vous connaître.
Mais, dans fouiller zone dans Kalalou, moi apprendre que le juge là t'a déjà contacté la direction centrale de la police judiciaire à ce sujet pour capable acheminer le rapport à Bali. Est-ce que BAF ou bien DCPJ dans son ensemble pral fait droit à demande du juge là? Est-ce que tout y a qu'un rapport pour des raisons X ou Y? Moi pas connais ou bien nous pas connais. Mais l'information c'est quoi? Il y a trois rapports qui ont été faits sur le dossier ça et il y a deux rapports qui n'ont pas juge là. Bon, premier rapport que je considère moi-même comme un rapport préliminaire, c'est BLTS qui déproduit, puisque nous connaissons, c'est quoi ça, c'est unité ça, accompagné de agents douaniers qui t'a fait fouille dans le conteneur où tu joues une zamza. Bon, deuxième rapport, c'est le bureau des affaires financières, BAF, qui déproduit. Maintenant, bon, troisième rapport, et c'est dans le rapport ça, ils te font paquet de révélations concernant le secrétaire exécutif diocésain de l'église épiscopale d'Haïti, révérend Père Franz Kohl, quand tu as dit, monsieur, ça a impliqué Joupnazo dans la question de trafic d'armes, et puis il disposait de plusieurs comptes en banque, et on a un compte qui est plus passé au million de dollars américains, on se le rappelle. Selon l'information que nous gagnons, travail qu'a fait au niveau de la justice dans le dossier, ça, il concernait deux conteneurs. Et m'apprendre que l'autorité judiciaire, notamment le juge là, si je ne me pas trompé, t'as au courant d'un troisième conteneur, c'est dans la presse. Est-ce que ces conteneurs, ça a été dit jusqu'à présent, beaucoup jamais fouillé? Si oui, pour qui ça, ils pas fouillé? Et si vous avez fouillé le tout, pour qui ça, DCPJ pas au courant ou bien juge là pour au courant? Et si vous n'avez pas fouillé le côté conteneur ça fait, qui est-ce qui a bailli, pour qui est-ce qui est et qui est-ce qui a récupéré? Ça, c'est un ensemble de questions. Sauf que, si vous avez un commissaire gouvernement dans le paquet Port-au-Prince, vous avez contacté le paquet à vous, dites-moi, et de qui manière de qui manière gans, mais vous avez songé, vous avez un conteneur qui dit, là vous avez fouillé, vous devez jouer une matière fécale. Badi jone, tout corps. Donc, qui s'est fait après, nous ne connaissons pas. Mais l'information que la République de connaît dans tout conteneur, c'est seulement deux. Yo travail sur yo et dossier a concerné deux ça. Est-ce que tu as un troisième, un quatrième conteneur? Nous ne connaissons. Et si tu as tout qui côté fait, nous ne connaissons. Est-ce que tu as toujours fermé la douane ou bien mettre tout venu récupérer? Nous ne connaissons. Qui s'est là dedans? Nous ne connaissons. Il y a des gens à l'étranger qui sont impliqués dans quatre dossiers, et selon les informations que je disposais, FBI a déjà attendu des gens. Cependant, ils n'ont pas qu'un BO, mais ils ont toujours été à la disposition de l'autorité fédérale. Donc, si jamais ils ont besoin, ils ont été en temps et lieu. Autrement dit, ils sont sous surveillance. Rebondissement qui gagne dans le dossier à amis auditeurs. Dans tout travail de CPJ, il y a des gens qui ont passé sous lui comme ça, mais ils n'ont pas mis focus sur lui. Pourtant, selon l'information que je dispose, Mounsa est d'une importance capitale. Monsieur Sarele, pasteur Dieuné Day. Et selon toute information qui est disponible, c'est monsieur ça qui est responsable de l'église. Juge là, tu émets ton mandat d'amener. C'est dans l'église, ça va se faire. Ça? Ouais. Bah ouais. Bah ouais. Parce que tu es kidnappé? Bah ouais. Juge là, tu lances ton mandat d'amener des pasteurs. Dans quatre dossiers, ça. Pour un raison, mais pour un autre, selon l'information que je gagne, mandat ça, pas de jambes exécuté.
Et pour un raison, pour un autre, DCPJ pas trop focus sur le personnage qui lui-même son élément clé dans l'enquête sur le dossier ZAM qui implique l'église épiscopale. Pour qui ça? Pasteur Dieuné Dey de l'église sur le Rocher, lycée broker, selon ça m'apprenne. Et c'est sous nol qu'un ensemble de marchandises qui viennent dans le cadre de Contines Ayo, ils ont entré dans le pays. Et selon ça, je comme information, les balles avaient fait scandale. Monsieur a parlé, récupéré sa vini sous non lieu. Livré en certain pasteur Samson. Et Samson, ça, il a nommé la justice, il t'a déjà en bas code. Et c'est Samson même qui dit c'est pasteur Dieuné Dey qui dévoile, il vient récupérer un ensemble de marchandises. Information, nous devons connaître. M'apprenne que juge instructeur a déjà tendé majorité moun qui n'a prison dans quatre dossiers ça que le France Cole, le père France Cole, que le Lovely ou bien Gina souvle. Mais qu'on ensemble de l'autre monde, peut-être que moun yo arrêté dans début janvier, mais aussi toi arrêté dans commencement année là. Je là pour qu'on attende pour qui ça a mis dit attendez bien selon ça me comme information. Administration pénitentiaire, yo dit au pape quitter prisonnier à l'enlève par rapport avec menace qui gagne dans zone frère là côté on paquet de juges instructeurs gagne bureau dans l'école magistrature parce que zone ça sont zone qui en bas contrôle monsieur Vitelhomme a gardé lieu. Le pénitencier dit au même il va pas quitter prisonnier yo al prendre route pour al monter en l'air pour al foncer des bagages voilà tata tata ta, l'attendé bon prisonnier calé yo faire buscade yo prend li dans main police yo sont dans des affi Hollywood monter yo dit moi ça que l'autre monde yo pas attendre tout c'est parce que grève griffier yo affecté système là. Parce que bon ensemble, le bail dans le processus là, c'est Griffier qui gère. Or, Griffier a fait grève depuis plus de mois là, Gary. Griffier a fait grève. Qui vient faire que, il y a une ordonnance de clôture. Moi, ouais, avocat Piggy Jean, tu as évoqué là que le juge là t'a dû rendre incessamment. Qui vient automatiquement impossible. Et selon l'information mienne, 3 mois pour juger la thé, instruit dossier après aller couler. Donc, les avocats ont évoqué question ordonnance qui pral rendre là, ils ont fait référence à temps légal que juge la gagne pour les traiter dossier. Parce que c'était 12 janvier, je crois, que juge la thé recevra dossier en février, mars, avril, donc pratiquement 3 mois pour aller couler. Et le juge n'a pas bien rendu l'ordonnance là. Et il est fort probable que le juge là lui-même ait écrit pour demander une prolongation. Pour qu'il puisse permettre que l'instruit dossier. Et le juge là a dit comme ça que, selon sa mienne comme information, dans le jour là, si on pas mené pasteur Dieuné Dey Bali, l'IAP transformer ou bien mandat d'amener à des possibilités pour le transformer en mandat d'arrêt. Avec les y après monsieur Abmen elle vient en état etc. pour permettre que vienne répondre à question. Donc si ça arrive monsieur pas le venir donc n'importe côté a marre monsieur concret Jean le venir il a fait le venir. Ça c'est information. Qu'on y a concernant avocat cap défendre l'église épiscopale d'Haïti. Et ça me va dire peut-être que M. Peggy Jean va mettre une petite précision pour nous, bien va clarifier pour le grand public. M'apprendre que l'avocat de l'église là, c'est M. Samuel Madistin. Cependant, M. Peggy Jean lui-même, c'est avocat révérend Père Franz Cole.
et Père Franz Kolsa m'a noté c'est un nom qui dit qui clair la question de dossier zam dans l'église là. Peggy Jean il était intervenu nous songe ça semaine dernière il dit c'est pas à titre d'avocat à l'église là selon ça moi même moi viens comprendre mais plutôt à titre d'avocat révérend Père Franz Kol. Maintenant, qu'en est-il du révérend Père Mardoché? Nous sommes j'ai des bagues à fait par rapport à mandat qui était émettre contre Mardoché et autres. Moi, après que le juge l'attendait Mardoché, effectivement. Mais ça va me dire que Mardoché est en clean. Selon ça, j'ai comme information, je t'en mais toujours dit rester à la disposition de la justice. À n'importe quel moment, il est capable de relayer. N'a pas rappelé Père Mardoché, c'est lui-même qui est président du comité permanent de l'église épiscopale d'Haïti. Maintenant, en considération, monsieur qui fait le droit, il va aider. On dit par exemple, de CPJ, il a lancé son mandat de Père Mardoché. Est-ce que si le juge l'a fini d'entendre et puis le juge l'a quitté l'aller, le mandat ça va tomber automatiquement? C'est une question que je m'a posé. Ah oui. Il te met ton mandat derrière. Ok? Yo tap chacho. Voilà que juge qui a instruit dossier, li tando. Il finit tando, il y a possibilité pour le faire kembo, mettre dans dépôt, il y a possibilité pour le relâcher, pour le relaxer. Li qui tout aller. Donc ça veut dire ça, ça veut dire que le mandat tombe automatiquement. Donc ces mandats, parce que moi, ouais, la police renouvelé à vidéo chercher des météos, oui. Quand on sait de monde dans l'église épiscopale, dont Père Jean-Madoucheville, il va commencer à le et nous confirmer que le juge l'attendait. Quand il y a mandat, ça, est-ce que le vini avant le juge l'attendait ou bien le vini après le juge l'attendait? Si le vini avant le juge l'attendait, moi je pense que Mardoché est libre de se brûler. Maintenant, si le vini après, M. Mardoché, je vais vous mentir, il y a cherché au prochain fou et n'importe côté au venu, il y a mal au concrabe pour mettre derrière 4 murailles. Je pense que précision ça y est. Il était important. Et ça nous a retenu. Nouveau rebondissement. Il y a deux pasteurs qui sont impliqués dans le dossier. Et il y a un pasteur qui est responsable qui est sur le rocher. Et il dit que M. était un mandat d'amener. Et mandat d'amener, ça risque de transformer en mandat d'arrêt. Qui est impliqué dans la question du dossier ZAM. Et l'église épiscopale d'Haïti. En guise de conclusion, nous avons fait considération of Mike hier, Pierre. Nous avons dit est-ce que ça veut dire depuis qu'il y a des mounes dans l'église qui implique dans le dossier, ça veut dire que c'est toute l'église là. Je ne crois pas. Cependant, genre de scandale, ça y est, pas venir me faire honneur à l'église là. Genre de scandale, ça y est, je ne vais pas vous mentir, vous fragilisez l'église là dans le pays. Vous faites l'église là en l'autre genre. Dans le pays. Comment comprendre? Les têtes passantes de l'église, des mouns qui prennent des décisions dans l'église. Et puis c'est eux qui impliqué dans le trafic ZAM. L'ordre pour l'église épiscopale, le révérend Père Franz Kol, c'est le secrétaire exécutif diocésain de l'église épiscopale d'Haïti. Là, on prend Père Jean-Madoucheville, c'est le président du comité permanent de l'église épiscopale d'Haïti. On prend Franz Désiré qui n'a marron qui a cherché conchain fou.